Alors voilà, maintenant je passe à ma deuxième partie. J'aimerais illustrer mon propos à l'aide d'un exemple concret, donc une œuvre de Marien Day qui s'appelle « Trois femmes puissantes ». J'espère que vous l'avez lue, si ce n'est pas le cas, je vous ferai deux, trois petites indications contextuelles. Bon. En fait, ce n'est pas un hasard si je prends cet exemple, hein, parce que c'est justement l'œuvre qui a été choisie comme œuvre commune de bac cette année dans notre gymnase à Auguste Piccard. Puis j'ai deux classes de bac cette année, donc ça m'intéressait évidemment de mettre à l'épreuve directement ce que je suis en train de travailler en ce moment même avec mes élèves. D'ailleurs, il faut que je précise quelque chose. C'est mes collègues qui ont choisi cette œuvre. Moi, je ne pouvais pas être présent dans la séance où ça s'est décidé. Je ne sais plus, j'étais malade. Ou je devais m'occuper de Milo. J'avais lu « Trois femmes puissantes » il y a 4-5 ans, quand je cherchais un nouveau texte pour mon job. Quoi. Mais je n'avais pas spécialement croché, comme on dit. J'avais trouvé ça intéressant, mais sans plus. Alors, l'année passée, en sachant qu'on allait avoir cette œuvre au bac, je me suis dit qu'il fallait que je découvre mieux cette autrice, son œuvre, pour mieux la défendre en classe, quoi. Puis j'en ai lu 5 ou 6 de ses romans, à la suite. Puis là, je suis tombé amoureux, quoi, de son écriture. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je me suis mis à aimer, à comprendre ou à sentir ses personnages, sa façon d'écrire, sa musique, quoi, qu'elle essaye de faire. D'ailleurs, je trouve qu'elle réessaye à chaque fois d'écrire le même texte, Marien Day. Un peu différemment, avec d'autres accents, mais toujours dans la même direction. Comme si elle était possédée par la même question, le même problème, le même truc qu'elle n'arrive pas à épuiser. Quoi. Puis c'est cette insistance, d'ailleurs, hein, qui a fait beaucoup pour me la rendre encore plus sympathique et proche. Elle cherche un truc, quoi. Elle n'est pas écrivaine à écrire des romans. Quoi. Il y a un truc qui la tient. C'est d'ailleurs tout mon propos. Je veux dire, le fait que je n'ai pas vraiment croché la première fois, ben voilà, on lit pas bien, en somme, ou trop vite, ou c'était pas le bon moment. C'est comme pour mes élèves. Je leur dis toujours qu'ils doivent apprendre à lire, c'est-à-dire à pas lire trop vite, hein, un commentaire. Plutôt partir du texte, s'arrêter dessus. Mais bien sûr, ça marche pas toujours pour eux. C'est pas le bon moment. Et puis, ils ont tellement d'autres choses dans la tête ou dans leur vie. Il paraît que c'est les ados, mais comme si nous aussi, on n'avait pas d'autres choses. C'est pas le bon moment, quoi. Et c'est comme pour nous ici maintenant. Qu'est-ce que je peux espérer là maintenant de faire passer? En plus, ben, on a une autre situation que celle d'une salle de classe, puis ce serait faux ou artificiel de vous faire croire que je vais, comme ça, vous livrer un petit morceau que je détacherai d'un cours de ce qui peut se passer avec mes élèves. La situation, elle n'est pas du tout la même. Déjà, avec une classe, on passe presque 2 mois sur une seule œuvre. Ce qui fait, j'ai fait le calcul, hein, environ 18 périodes de 3/4 d'heure chaque fois. Rien que sur l'incipit du livre, hein, les premières phrases, on y passe une période entière. Et puis, voilà, ben, on essaie de regarder d'abord le texte, puis de considérer lentement ce qu'il peut y avoir là, regarder les phrases. Hein. J'attends, puis je leur demande, mais alors là, puis j'ai les réactions. Ah, monsieur, mais alors la longueur des phrases. Ouais, dingue. Mais pourquoi elle se prend la tête, là, l'héroïne, Nora? Alors ici, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ce travail. Et d'ailleurs, on l'a à peine en classe. Hein. Mais là, maintenant, c'est pire, parce que je suis obligé d'aller trop vite. C'est-à-dire de ne pas attendre que vous voyez, vous, certaines choses dans le texte avant que je vous dise moi-même ce qu'il faut voir. Et donc, vous êtes nécessairement moins libre. Puis moi, ben, nécessairement, je suis placé dans une position de soi-disant maîtrise plus grande. Fâcheux, fâcheux. Je peux seulement espérer... défaire un peu ce piège en essayant de surtout pas faire le tour du texte, de ne pas vous envahir de belles trouvailles, de grandes théories, juste lancer quelques petits coups de sonde en donnant des infos nécessaires pour comprendre quoi, le contexte. Et puis libre à vous ensuite de vous sentir accroché ou pas, puis d'aller plus loin, éventuellement lire les autres œuvres de Marien Day si vous ne la connaissez pas encore. Puis si ça ne marche pas, ben c'est pas grave. Par contre, moi, j'aurais essayé de vous donner un aperçu de ma propre pratique, de ma propre lecture de cette œuvre. Alors Marie, allons-y. Je voulais vous la passer, mais je n'ai pas le temps, parce qu'on voilà, n'a pas le temps. Mais allez regarder Marie, dans sa physicalité, elle est très belle. Marien Day, dans tous les romans que j'ai lus, elle fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle nous présente toujours de l'intérieur les pensées d'un ou d'une personnage principal. En termes narratologiques, on est en focalisation interne, comme on dit. Et on débarque immédiatement dans un flux de pensées, de réflexions, d'interrogations qui sont constamment mises en mouvement, soit parce que voit le personnage,
soit par ses souvenirs, soit par ce que lui disent d'autres personnages. Mais la constante, c'est que le personnage central remet constamment en question à la fois lui-même et ses perceptions, ses souvenirs. Il s'interroge, il culpabilise, il doute, et il tente, vaille que vaille, de se réaffirmer à travers ses doutes ou de prolonger la validité du récit qui s'était fabriqué jusqu'ici à propos de lui-même ou des autres. En résumé, on a toujours chez Marine Diaye des personnages qui pratiquent une forme d'introspection active, pour mieux dire, moi je dis ça comme ça à mes élèves, ils gambergent constamment, de manière violente. Mais il faut qu'on écoute un peu Marine Diaye, Thierry. Nora. C'est le premier extrait sur vous. Nora, qui arrivait de l'aéroport, avait pris un taxi puis marché longuement dans la chaleur car elle avait oublié l'adresse précise de son père et n'avait pu se retrouver qu'en reconnaissant la maison. Se sentait collante et sale, diminuée. Elle portait une robe vert tilleul sans manches, semée de petites fleurs jaunes assez semblables à celles qui jonchaient le seuil tombé du flamboyant, et des sandales plates du même vert doux. Et elle remarqua, ébranlée, que les pieds de son père étaient chaussés de tongs en plastique, lui qui avait toujours mis un point d'honneur, lui semblait-il, à ne jamais se montrer qu'avec des souliers cirés, beige ou blanc cassé. Était-ce parce que cet homme débraillé avait perdu toute légitimité pour porter sur elle un regard critique, ou déçu, ou sévère, ou parce que, forte de ses 38 ans, elle ne s'inquiétait plus avant toute chose du jugement provoqué par son apparence, elle se dit, en tout cas, qu'elle se serait sentie embarrassée, mortifiée de se présenter 15 ans auparavant, suante et fatiguée devant son père dont le physique et l'allure n'étaient alors jamais affectés par le moindre signe de faiblesse ou de sensibilité à la canicule, tandis que cela lui était indifférent aujourd'hui et que, même, elle offrait à l'attention de son père, sans le détourner, un visage nu, luisant, qu'elle n'avait pas pris la peine de poudrer dans le taxi, se disant surprise, comment ai-je pu accorder de l'importance à tout cela, se disant encore avec une gaieté un peu acide, un peu rancuneuse, qu'il pense donc de moi ce qu'il veut, car elle se souvenait de remarques cruelles, offensantes, proférées avec désinvolture par cet homme supérieur lorsque, adolescente, elle et sa sœur venaient le voir et qui, toutes concernaient leur manque d'élégance ou l'absence de rouge sur leurs lèvres. Elle aurait aimé lui dire maintenant, tu te rends compte, tu nous parlais comme à des femmes et comme si nous avions un devoir de séduction alors que nous étions des gamines et que nous étions des filles. Elle aurait aimé le lui dire avec une légèreté à peine grondeuse, comme si cela n'avait été qu'une forme de l'humour un peu rude de son père, et qu'ils en sourient ensemble, lui avec un rien de contrition. Mais le voyant là, debout dans ses tongs en plastique sur le seuil de béton parsemé des fleurs pourrissantes qu'il faisait tomber peut-être lorsque, d'une aile lourde, hélas, il quittait le flamboyant, elle réalisa qu'il ne se souciait pas davantage de l'examiner et de formuler un jugement sur son allure, qu'il n'eût entendu, compris, la plus insistante allusion aux méchantes appréciations qu'il lançait autrefois. Il avait l'œil creusé, le regard lointain, un peu fixe. Elle se demanda alors s'il se souvenait vraiment de lui avoir écrit pour lui demander de venir. « Si on entrait, » dit-elle en changeant d'épaule son sac de voyage. Merci. Et focalisation interne, interrogation, mon père, est-ce qu'il m'aime, qui est-il ? Tout le temps, tout le temps. Alors, quand est-ce qu'on a l'occasion de gamberger pareillement dans nos vies ? Je pose la question comme ça aux élèves, c'est quand qu'on est pris dans ce genre de truc ? Il y en a un qui m'a dit, j'ai commencé hein, à travailler avec... Il y en a un qui m'a dit, le stress, monsieur. Puis j'ai trouvé ça pas mal du tout. On a rebondi là-dessus, effectivement. Si les héros de Marine Diaye sont pareillement à s'interroger sur eux-mêmes, c'est qu'ils sont à chaque fois confrontés
à une situation inconfortable qu'ils ne peuvent pas gérer sans se mettre eux-mêmes en question de manière assez radicale. Et puis surtout, qui les renvoient à une culpabilité qu'ils ne parviennent pas à surmonter. Et chez Marie Ndiaye, comme dans la vie, je dis à mes élèves, ces situations culpabilisantes, eh ben, elles ont toujours affaire avec un conflit familial profondément ancré et qui constitue comme une sorte de noyau conflictuel dans l'identité même du personnage familial. Et familial, chez Marie Ndiaye, ça veut toujours dire un problème de filiation, d'héritage des identifications. J'aurais dit avant Noël, j'aurais fait lire l'Incipit, ah, vous avez de l'expérience comme ça avec les repas de Noël, vous prendrez des notes, hein, puis on se revoit en janvier. Ils ont rigolé, mais je leur ai dit après en janvier. Bon, alors. Bon, dans la première des trois histoires des trois femmes puissantes, ces trois nouvelles, entre guillemets, différentes, l'héroïne Nora retrouve, hein, c'est ce qu'on a vu avec Thierry, retrouve après de nombreuses années son père, qu'elle déteste, notamment depuis qu'il leur a littéralement volé leur petit frère Sonny, en le ramenant de force en Afrique pour vivre avec lui. Vous voyez, l'intrigue familiale. Ou encore, dans la deuxième histoire, le personnage central, Rudy Descas, s'affole suite à une dispute avec sa femme Fanta, lors de laquelle il a tenu des propos violents, genre « recasse-toi en Afrique », quoi. Des propos qu'il regrette. Mais par là, ce n'est pas seulement sa femme, mais tout le rapport avec son propre père, violent, qui le poursuit également. Un père criminel qui a fini par se suicider en prison, jadis, en Afrique. Bon noyau. Donc chaque personnage retourne dans sa tête la situation apparemment inextricable dans laquelle il ou elle se trouve pris. Mais on est loin, me semble-t-il, d'une mise en scène pessimiste de l'absurdité de nos existences. Et puis le flux de pensée ne tourne pas en rond. C'est-à-dire qu'il s'accompagne plutôt de quelque chose comme une véritable transformation du sujet. Bien, j'en viens à mon sujet. Une transformation du jeu, quoi. Ce qui l'intéresse, Marie Ndiaye, c'est de saisir un moment de transformation intérieure où c'est moins les actions du sujet qui autorisent un changement que sa manière de percevoir le monde et soi-même. Ou pour le dire autrement, une transformation du récit que se font les personnages à propos d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est alors à ce moment-là que les vecteurs de cette transformation, c'est-à-dire les éléments qui vont venir agir sur les pensées des personnages, ben, il y a plusieurs ordres. Il y a les actes et les paroles des autres personnages, bien sûr. Par exemple, le père de Nora, qui lui fait part de son projet de lui confier la défense de son fils, qui a été mis en prison à sa place, il semblerait. Ou encore l'absence de la femme de Rudy, qui ne répond pas à ses appels téléphoniques angoissés. Mais plus important encore que ces ressources classiques de l'intrigue, la réflexion des personnages est littéralement attaquée par la densité physique du monde et des corps. Les corps des autres, tout d'abord, par exemple la laideur puante du père de Nora, ou bien la force tranquille qui émane du corps de Manny, le patron de Rudy Descas, le deuxième héros. Mais aussi la présence envahissante des choses extérieures, l'odeur tiède des arbres, par exemple, l'arbre de la propriété de Nora, du père de Nora, ou bien la chaleur étouffante de la cabine téléphonique ou de la voiture pour Rudy Descas. C'est vraiment les choses physiques du monde. Mais c'est surtout leur propre corps qui les agresse le plus massivement, puis qui les laisse jamais en paix, ces personnages. Tous, à un moment ou à un autre, ils suent, ils rougissent de honte ou de culpabilité. Pire encore, Nora, dans la première histoire, elle finit par se pisser dessus, quoi, sous le coup du regard des autres et de sa propre culpabilité. Rudy Descas, dans la deuxième histoire, il subit une crise d'hémorroïdes, qui non seulement le couvre de honte, parce que ça l'oblige à se gratter furieusement, mais ça le contraint à fuir littéralement son lieu de travail qu'il a mis des pages et des pages à essayer d'atteindre dans ses réflexions. Quand il y est, caf, crise d'hémorroïde, quoi. Et le corps qui nous rattrape. Puis là, il me semble qu'il y a une dimension, j'ai envie de dire, évidemment, on est entre nous, sartrienne chez Marie Ndiaye. C'est-à-dire le corps trahit toujours, nécessairement, le sujet en l'empêchant de coller à ses propres pensées et à sa propre maîtrise de soi. Le sujet souhaiterait désespérément s'identifier comme une substance stable, incorruptible, mais son corps et la honte ou la culpabilité devant les autres l'en empêchent. Et à ce moment-là, chacun rêve de ressembler ou de se ressourcer dans une espèce de pure présence physique inamovible, celle d'une maison, d'un paysage, par exemple, chez Rudy, ou le grand arbre de la propriété de son père pour Nora. En somme, le sujet est fondamentalement réflexif chez Marie Ndiaye. Ça veut dire séparé irrémédiablement de lui-même, toujours en doute ou en décalage vis-à-vis de soi. Et son corps,
comme les autres réalités physiques, le renvoie toujours à une espèce de pure présence non dédoublée, un en-soi, dirait Sartre. Comme un idéal aussi attracteur qu'impossible à atteindre, idéal pour une conscience qui est elle-même condamnée à être une conscience, c'est-à-dire un flux ambivalent et sans consistance stable. On ne peut pas être une conscience sans être dédoublé. On peut dire d'ailleurs, en général, que dans les romans de Marie Ndiaye, on rencontre très souvent une figure explicitement puritaine de la conscience de soi, comme Nora dans « Trois femmes puissantes ». De nombreuses femmes dans ces romans, elles tentent désespérément de maintenir quelque chose comme une forme de discipline corporelle, ascétique. Elles refusent notamment toute forme de débordement et d'enthousiasme, qui est tout de suite inquiétant. L'enthousiasme, c'est inquiétant. Et on a là une figure de maîtrise qui contraste avec tout ce que le sujet subit par ailleurs comme assaut déstabilisant de la part du monde. Alors, j'ai évoqué les actions des autres, les présences physiques, mais il reste encore un facteur déterminant dans la transformation des pensées du personnage ou dans la modification de leur conscience de soi, c'est le travail de la mémoire. À un certain moment du processus d'enquête de la conscience sur elle-même, chaque personnage en vient à devoir affronter un souvenir qu'il avait littéralement occulté. Pour Nora, Thierry va nous lire ça, pour Nora, c'est le fait qu'elle avait déjà habité en Afrique, en fait, 10 ans auparavant, et qu'elle avait déjà tenté de se rapprocher de son père. Deuxième extrait. Massek emprunta un chemin différent du trajet habituel, ce qu'elle remarqua sans y prêter plus d'attention. Mais lorsqu'il arrêta la voiture devant une petite maison aux murs roses et aux toits de tôle bleue, coupa le contact et posa les mains sur ses genoux, elle résolut de ne lui poser aucune question, décidant qu'elle ne ferait pas le moindre pas vers un piège possible. Elle se devait maintenant, pour Sonny comme pour elle, d'être forte et fine manœuvrière. L'insoupçonné n'aura plus raison de moi. Il m'a dit de te montrer cette maison, déclara Massek, parce que c'est là que tu habitais. Il se trompe, c'était ma sœur, dit Nora. Pourquoi se refusait-elle à regarder attentivement la maison? Confuse vis-à-vis d'elle-même, elle jeta un coup d'œil au mur d'un rose passé, à la galerie étroite qui courait devant, aux modestes maisons voisines devant lesquelles jouaient les enfants. Puisqu'elle avait vu la photo, elle ne pouvait plus empêcher, songeait-elle, son esprit de reconnaître les lieux. Mais le souvenir ne venait-il pas de plus loin? N'y avait-il pas derrière ces murs roses deux petites pièces carrelées de bleu foncé et sur l'arrière une minuscule cuisine imprégnée de l'odeur de curry. Elle constata pendant le dîner que son père et Jacob prenaient plaisir à discuter que si son père ne pouvait feindre de s'intéresser aux enfants, il s'efforçait cependant d'adresser parfois à Lucie et Grete une grimace censée les amuser, accompagnée de bruits de bouche drôlatiques. Il était décontracté, presque gai, comme si, pensait Nora, elle l'avait déchargé de ce terrible poids qu'était l'emprisonnement de Sonny et qu'il ne restait plus qu'à attendre qu'elle lui réglait la situation, comme si la charge morale, elle l'avait endossée et qu'il en était délivré à jamais. Elle sentait dans l'attitude de son père vis-à-vis des fillettes une flatterie à son égard. « Massek t'a montré la maison ?» lui demanda-t-il abruptement. « Oui, dit-elle, il m'a montré l'endroit où ma sœur aurait vécu. » Il ricana, compréhensif, désinvolte. « Je sais, reprit-il, ce que tu es venu faire à Grand Yoff. Et j'ai réfléchi et je m'en suis souvenu. » Elle eut un vertige. Elle se vit repousser sa chaise, s'enfuir dans le jardin. Puis elle se ressaisit et, pensant à Sonny, refoula peur et doute, malaise
et désenchantement. Qu'importait-ce qu'il pouvait dire puisqu'elle lui ferait rendre gorge ? Tu étais venu pour te rapprocher de moi, oui. Tu devais avoir, je ne sais pas très bien, 28 ou 29 ans. Il s'exprimait sur le ton le plus neutre. Il semblait vouloir abolir entre eux toute apparence de lutte. Jacob et les enfants écoutaient avec application, et Nora sentait que le comportement affable de son père, l'autorité de son âge et des vestiges de son aisance lui assuraient de la part des trois autres un crédit qu'elle n'avait plus. Ils étaient maintenant enclins à le croire et à douter d'elle, n'avait-il pas raison ? Et n'était-ce pas tous ces principes d'éducation qui étaient contestés dans leur rigueur, leur éclat, leur âpreté ? Car s'il devait penser qu'elle avait menti ou dissimulé ou bizarrement oublié, elle apparaîtrait d'autant plus coupable d'avoir exigé et prôné dans la vie qu'ils menaient ensemble une telle rectitude. Mais n'avait-il pas raison ? Une chaleur humide glissait sur ses cuisses, s'insinuait entre ses fesses et la chaise. Elle toucha vivement sa robe. Désespérée, elle essuya ses doigts mouillés sur sa serviette. Tu avais envie de savoir ce que c'était que de vivre près de Sonny et moi, continua son père de sa voix bienveillante. Alors tu as loué cette maison à Grand Yoff. Je suppose que tu voulais ton indépendance parce que, bien sûr, je n'aurais jamais refusé de t'accueillir. Tu n'es pas resté très longtemps, n'est-ce pas ? Tu avais imaginé peut-être, je ne sais pas, des relations comme on en a chez vous aujourd'hui, où on n'arrête pas de blablater, de se confier, de se repentir, de s'inventer toutes sortes de problèmes et de se dire à tout bout de champ qu'on s'aime. Mais moi, j'avais mon travail à Dar es Salaam. Et puis, ce n'est pas mon genre, ces épanchements, non. Tu n'es pas resté longtemps. Tu devais être déçu. Je ne sais pas trop. Et Sonny n'était pas au mieux de sa forme à cette époque-là, et peut-être qu'elle t'a déçu, lui aussi. Elle ne bougeait pas, attentive à ne rien laisser deviner de sa misère. Elle tenait ses pieds soulevés au-dessus de la petite mare sous sa chaise. Son visage était enflammé, sa nuque brûlante. Elle ne dit rien, garda les yeux baissés et resta assise jusqu'à ce que chacun eût quitté la table, après quoi elle alla chercher une serpillière dans la cuisine. Je n'ai pas le temps de commenter parce que... Mais les corps, la manière dont les corps sont mis en scène, les pensées du personnage, et puis ce retour du souvenir. Bon.